Hey les gars, ça va, c'est Largy. On se retrouve pour le 10e et dernier épisode du Nouveau Fermier. Là, vous vous dites, oh putain, le con, comment ça le dernier? Vous inquiétez pas, les gars, on en parle juste après l'intro. Et ouais, les gars, le dernier épisode de cette série, là, vous dites, comment ça, tu viens tout juste de refaire ta ferme? Bah, je pense que c'était un petit peu l'objectif de cette série. Enfin, non, à la base, je comptais pas l'arrêter de suite, cette série. Mais je me suis dit au bout d'un moment, donc là je vais en attendant, je vais faire une petite mission de semis les gars, je vais semer le champ qu'on avait moissonné lors des deux derniers épisodes. Mais du coup voilà les gars, c'est le dernier épisode tout simplement parce que franchement c'était une bonne série de début tu vois. Déjà on est au 10ème donc c'est pas mal, franchement des séries qui font 10 épisodes j'en ai pas énormément sur ma chaîne, donc c'est déjà pas mal. Mais si on arrête si prématurément, c'est tout simplement parce que bah, déjà à partir d'un va pas tarder à commencer, je vous le cache pas, je vous donne pas encore de date mais ça va pas tarder. Et aussi parce que cette carrière partait un petit peu dans tous les sens. Il y avait un petit peu souvent des bugs. Bah là regardez encore, il y a encore les véhicules qui ne sont pas terminés de la mission. Pourtant j'ai essayé de faire pas mal de trucs en off mais ça n'a rien changé. Mais voilà, c'était juste parce que en gros la série elle est un petit peu dans tous les sens. À chaque épisode j'étais en train de vous dire ouais est-ce que je peux m'acheter ça, est-ce que je peux m'acheter ça. Et j'étais obligé de vous demander pour cheater. Et du coup bah c'était pas vraiment une carrière suivie dans le sens où c'était pas vraiment du no cheat. Et moi ça m'embête un petit peu. Et puis en plus bah là franchement je suis... regardez il me reste 1000, je suis face au mur. Regardez, même des semences, là je peux m'acheter qu'un sac. Vous voyez le délire ou quoi? Donc c'est assez chaud, c'est assez chaud, c'est assez chaud. Hop, juste faire une marche à l'arrière comme ça. Donc voilà comme vous pouvez le voir c'est assez chaud. R. Oh, on pourrait essayer de faucher d'ailleurs. Ah bah attendez, plutôt que de semer. Attendez, je vais ranger ça sur le côté. On va essayer de faucher, tiens. On va essayer un truc. On va voir si je peux utiliser le matériel de la mission pour avant de se laisser pour avant de se laisser. Bah, on est au début de l'épisode, mais évidemment. Mais pour voir si je peux m'en servir pour mes champs, pour mes propres champs. Vu qu'ils veulent pas me donner l'argent, bah écoutez, moi je me sers du matériel. Bah petite ellipse les gars, juste le temps que j'emmène tout ça au champ. So you had me bite through the bullet. I won't play a second fiddle with you. You look away just when they pull it. You gotta step up, yeah, you miss. Donc voilà, on arrive au champ. Du coup, je vais pouvoir vous continuer l'explication de pourquoi c'est le dernier épisode et pourquoi c'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres séries qui arrivent. Attendez, avant, je déplie tout ça. Oui, j'ai fait un monstre, hein, comme vous pouvez le voir. Ah ouais, il y a tellement d'outils que je sais plus où donner de la tête. Alors ça, je baisse. Tac. Devant aussi, bah du coup, je baisse. J'active. Ce véhicule équipement. Ah, de quoi? Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai pas compris ce qu'il a dit. On va voir. Ce véhicule équipement est utilisé pour un contrat. Oh non, on peut pas l'arnaquer. Attends, on va essayer quand même. Ah non, non, non. Ah, c'est bien fait ça. Ça, c'est bien pensé. Bah, ah, on peut pas leur voler leur matos. Bon, bah, on va retourner sur l'hypothèse 1 de faire du semi alors, hein, si on peut pas leur voler leur matos. Tac, tac. On aura, en fait, finalement, on aura laissé la série comme on l'a commencé, c'est-à-dire avec des fails. D'ailleurs, ce que je voulais vous montrer, les gars, ce qu'on peut faire, c'est que j'ai dit une bêtise, c'est Mickaël qui me l'a fait remarquer. C'est que regardez, l'asphalte là, hop, on peut le vendre. Et du coup, regardez, on reste avec ça et on appuie le truc. Et comme ça, du coup, je pense qu'on peut construire dessus. Genre, avec un point d'eau, vous n'avez pas assez d'argent. Oui, bon, là, je peux pas vous montrer. Tac, on va juste. On s'en fout, hein, vu que c'est le dernier épisode, on peut bien emprunter. Et genre, si je prends, genre, pas la ferme, mais une cabane comme ça. Voilà. Comme ça, hop, je peux placer un bâtiment ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je voulais vous montrer. Avec ça, on peut changer. Voilà, je vais enfin pouvoir vous expliquer maintenant que j'ai une activité qui normalement devrait fonctionner. Ils vont encore me dire une connerie là, non? Non, c'est bon, ça fonctionne? Ça fonctionne. Ok, les mauvaises herbes, il faudra quand même que je passe dessus. Bon, peu importe. De toute façon, les gars. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est la fin de cette série tout simplement pour trois raisons. Bon, déjà, la première, c'est que c'est déjà pas mal. Franchement, on a déjà avancé, on a découvert le jeu en fait. Voilà, le but de cette série Nouveau Fermier, c'était de découvrir le jeu un petit peu comme la carrière suivie que j'avais fait sur FF17. Donc bah, c'est un peu fait finalement, mission réussie j'ai envie de dire, on a découvert pas mal d'aspects du jeu, mais c'est pas terminé. La deuxième raison c'est les bugs, c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de bugs, en plus à chaque fois que je recommençais bah, c'était la même merde entre guillemets, il y avait encore quelques bugs. Bon voilà, on est au début du jeu c'est normal, et là de toute façon il y a une 1.13 qui est sortie qui a corrigé le plus grand nombre de bugs. Donc je pense que ma sauvegarde est un petit peu morte à cause de ça, donc ce que je vais faire c'est qu'il vaut mieux recommencer sur des bases saines et pas sous le nom de Nouveau Fermier. Et donc ça introduit la troisième, c'est qu'il va y avoir pas mal de nouvelles séries qui vont arriver. Donc c'est pour ça que bon, cette carrière de début de farming, je vais la remplacer par, il y a notamment une carrière à l'américaine qui se prépare parce que vous avez été nombreux à demander le retour à la saison 2 de la carrière à l'américaine. Il y a l'exploitation forestière qui est sortie la semaine dernière, enfin cette semaine, qui vous a plutôt plu d'ailleurs avec Artium. En plus on s'est régalé à la faire, donc hâte de commencer dans le vif du sujet on va dire à faire du bois etc.
Et puis plein d'autres séries qui vont arriver. Donc voilà, c'est pour ça que c'est déjà la fin, même entre guillemets déjà, parce que bon voilà, 10 épisodes comme je vous dis, c'est déjà pas mal. Et que voilà, j'ai décidé d'arrêter cette série. Mais franchement, moi je trouve qu'on a quand même déjà découvert pas mal de choses. C'était un petit peu dans le style, un petit peu partir de rien avant l'heure. Il y a Partir de rien qui arrivera très prochainement. J'attends vraiment d'avoir une map coup de cœur sur laquelle on va s'amuser pendant des épisodes et des épisodes sur Partir de rien. Pour reprendre enfin sur une saison 3. Et puis voilà, au moins maintenant je referai plus les erreurs que j'ai fait en ce début de série, en achetant une moissonneuse qui coûtait trop cher pour ce que c'est, en faisant trop de prêts, en revendant la maison alors que c'était peut-être ça qui faisait bugger, on sait toujours pas. D'ailleurs, je remercie Focus qui a été vraiment très réactif là-dessus. Il m'a envoyé un mail pour me dire oh, on a vu que tu avais un bug, on aimerait savoir d'où ça vient, etc. pour corriger le jeu, est-ce que tu peux m'envoyer la sauvegarde et tout. Franchement, bravo à eux là-dessus, super honnête. Ils sont pas là à dire ouais, non, il n'y a pas de bug. Ils sont là, ouais, il y a des bugs, ça arrive, il y a certains bugs, on va les corriger. Donc dis-nous où tu as un problème et on essaiera de le corriger. Et ça, franchement, GG à Focus parce que là-dessus c'est pas mal. Puis voilà, ça nous a permis aussi de découvrir les premiers modes de ce jeu. D'ailleurs, tous les premiers modes, les meilleurs entre guillemets modes, sont disponibles dans la description. Vous avez les modes de la vidéo. C'est un lien KingMod, c'est le site que j'ai fondé, le site de mode un petit peu réseau social. Donc, je vous invite aussi à créer un compte. Et puis voilà, bon voilà, c'est une petite vidéo tout simplement pour blablater un petit peu avant de se dire au revoir pour le nouveau fermier et bonjour à plein de nouvelles séries. Il y aura des saisons 2 de pas mal de séries, des saisons 3 même avec Partir de rien, mais il y aura également des séries originales qui vont être lancées, notamment, je veux pas vous spoiler, mais il y aura des séries pas mal, des roleplays etc. qui vont arriver très prochainement et franchement j'ai hâte de vous commenter tout ça. D'ailleurs je vais accélérer un peu le temps. Ah d'ailleurs j'ai un mode normalement, est-ce que je l'ai activé? Ouais, regardez, on peut accélérer le temps. Et ça, c'est tellement stylé. Bon, pour le moment, je l'ai pas mis en DL sur KingMod, simplement parce qu'il est encore un peu buggé. Mais sinon, c'est sympa. Sinon, c'est un bon petit bug. J'ai plus que ça à la bouche. Un bon petit mode. Puis ça m'a permis aussi d'interagir pas mal avec vous sur c'était quoi votre avis sur FS19. Et dans l'ensemble, vous surkiffez le jeu comme moi, d'ailleurs. Moi, c'est vrai que je relève quelques bugs de temps en temps. Mais franchement, sinon, on va pas se cacher, on est vraiment pas déçus. C'est un jeu sur lequel on s'amuse. En plus, il y a plein de modes qui viennent compléter la construction de ferme. Comme le mode que je vous ai présenté pour placer des parcelles de terrain. Franchement, c'est juste super ça. Il y a vraiment moyen de s'amuser énormément, je pense, là-dessus. Et c'est notamment ça qui va lancer pas mal de concepts de séries que j'ai hâte, mais alors tellement hâte de vous montrer. Ça va être juste énorme. Franchement, ça va être un amusement fou. Super hâte de voir ça. Mais je peux rien vous dire, c'est ça le plus fou. C'est que pour le moment, je veux rien vous dire parce que je veux vraiment que la surprise soit présente. Mais la semaine prochaine, soyez au rendez-vous. Déjà, il y aura des séries de lancées. Et franchement, j'ai le smile rien que d'y penser. C'est pour ça, c'est la fin de cette série, mais j'ai quand même le smile parce que je sais ce qui va venir après. Et ça va être juste une pure folie, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Du coup les gars, avant qu'on se lâche, j'ai mis un petit ouvrier pour que j'ai le temps de lire vos commentaires. J'ai relevé 2-3 commentaires qui étaient vraiment sympas. On a FS7 Screenshot qui me dit pour retourner les véhicules de la mission, toujours à propos du bug de la mission de 99%. Tu dois aller dans le menu mission, tu cliques sur mission, tu cliques sur confirmer, etc. Non, ça ne marchera pas. Merci pour ton aide d'ailleurs, mais ça ne fonctionnera pas FS7 Screenshot tout simplement parce que ma mission n'est pas acceptée. Donc la seule chose que je peux faire, c'est annuler. Voilà, hop, voilà. Mais du coup, j'aurais pas l'argent comme je vous montre. 0000 alors que j'ai fait 99% de la mission. C'est totalement incompréhensible. Et même en allant dans rendre, j'avais rien dans les location, j'avais totalement rien, donc je pouvais pas rendre le matériel. Donc tout ce que vous m'avez proposé dans les commentaires, arrêtez de dire que je suis complètement con. C'est pas possible en fait, c'est pas possible, c'est juste que c'était à 99%. Du coup il y avait un petit bug, vous avez été nombreux à avoir ce petit bug, mais bon voilà, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas fait les bords, enfin quoique, putain, franchement je trouve qu'on avait fait ça plutôt propre. En plus on avait fait ça avec Antoine, donc bon voilà, bon, un bug ça peut arriver aussi. On a également un autre commentaire de Simon Rémy qui me dit tout simplement, je vais enlever l'ouvrier, qui me dit tout simplement de faire attention quand je construis et de remettre l'interface. Vous savez, je peux enlever l'interface avec une commande que je mets, je vous la montre. Tac, hop, 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 voilà, avec la commande là je peux enlever l'interface. Et donc du coup il m'a dit de remettre l'interface quand je construis parce que sinon je vois pas la différence en gros de prix selon si je dois niveler ou pas. Et ça peut coûter très très cher et du coup dans le budget ça fait un beau trou. Et bah t'as raison Simon, maintenant je mettrai l'interface. C'est vrai que c'est un petit fail que j'avais fait au dernier épisode. Et du coup je me rendais pas compte mais je perdais tout mon argent. Comme vous avez pu le voir au début de cet épisode, j'avais plus que 1000 euros, ce qui est un peu dérisoire par rapport à ce que j'avais au début en vendant pas mal de choses. Donc c'est vrai, t'as raison Simon, il faut faire gaffe là dessus essayez d'avoir l'interface quand vous construisez, sinon ça marchera pas du tout. Et dernier commentaire également, on va dire qu'il parle de la construction et c'est un conseil qui a l'air vraiment sympa. C'est Tony Wam qui me dit appuie sur C quand tu utilises tes flèches
ça te les bouge de façon à être aligné avec les grilles de la map en fait. Vous savez, il y a un quadrillage comme sur tous les jeux sur la grille de la map. On la voit pas, mais il y a un réel quadrillage. Et du coup, comme ça, tu gères. Bah écoute, merci beaucoup pour ton conseil, ça fait super plaisir. Mais je vais même l'essayer tout de suite avant qu'on se laisse, les gars, parce que de toute façon, bah là, on arrive au terme de cette série. On va l'essayer, tiens, avec par exemple un poulailler. Hop. Et du coup, quand je suis comme ça, alors, regardez, avec les flèches, je peux le faire pivoter. Et quand j'appuie sur C. Oh, d'accord, ok. Ah, oh, ok, du coup, ça permet de faire de pivoter comme ça. Ok, c'est pas mal. Donc, si vous appuyez sur C et les flèches, ça vous permet directement de savoir bah, d'être à peu près aligné. Comme ça vous permet d'aligner plus facilement tous vos bâtiments. Si tous vos bâtiments vous faites avec C, bah, comme ça vous permet d'avoir une belle ligne de hangar, etc. Oh, c'est sympa. Bon, bah voilà, les gars, on termine cette série comme ça. Je vais descendre de mon JCB. Il n'est pas beau, mon JCB. Bon, on aura quand même réussi à faire une petite ferme, à avoir une petite ferme, à avoir ce petit JCB, à avoir du petit matériel. Quand même, au bout des 10 épisodes, malgré qu'on ait dû recommencer, etc. Vous avez été nombreux en commentaire, de toute façon, à me dire, ouais, recommence autre chose, parce que là, ça va être trop compliqué de tout reprendre avec tous les bugs, etc. T'as plus que 1000, ça va être trop chaud. Et vous avez eu raison. Mais vous inquiétez pas, les gars, cette semaine, il faut s'attendre à du lourd niveau série. J'espère que vous allez kiffer, parce que moi, franchement, je m'éclate tellement sur ce jeu. Malgré quelques bugs, ça m'empêche pas de me marrer. En plus, en multijoueur, on va lancer les séries, donc on va encore plus se marrer avec la team, vous nous connaissez. Bon, voilà, les gars, merci pour tout votre soutien, merci pour tous les pouces bleus. Merci de vous inscrire sur King Mode, ça me soutient également énormément. Merci à tous ceux qui cliquent sur le bouton rejoindre, ça vous permet de soutenir financièrement la chaîne et de participer à des concours, etc. Donc n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre si vous voulez me soutenir et à vous abonner tout simplement. Mais rien qu'en regardant cette vidéo, de toute façon, vous me faites énormément plaisir. Voilà les gars, c'est l'énergie. Ciao tout le monde.